recherche de fuite par infiltration. On a un petit bac enterré et on a une dalle qui est fissurée. La façade dans la façade, et on voit bien cette fissure là partant depuis. On a une infiltration qui se fait, on va passer de l'autre côté. Non, de ce côté, là aussi. Là, on n'a rien de ce côté. C'est que la fuite n'est pas là. On a déjà un petit problème ici, quand même important, mais qui n'est pas la cause du sinistre. On a bien une fissure importante ici, avec la maçonnerie creusée. Cette idée, hop, matériel. Le sinistre, il est là. On voit bien. Et puis ici, et un peu ici. Explication. Infiltration par l'extérieur qui va se poser l'eau au pot, dans le pot, dalle, rentre au niveau de la fissure que je vous ai montré. Ensuite, elle est fendue ici. L'eau vient taper sur le mur, longer cette cloison et buter contre ce mur-là. Et s'étaler sur la gauche aussi. Aucune fuite sur les canalisations, alimentation, pas de fuite du tout. Et on voit bien la dalle qui a été fissurée d'origine. Problème de construction. Et on n'a pas de dégâts. Et tout ce qui est alimentation passe par le plafond. Recherche de fuite effectuée. Cette idée.